Bonjour. Comment ça va? Allez, let's go. C'est part. Allez, c'est parti en petite guéguerre. On est au chapitre 19. Rescousse. Il se dirige vers une autre ville à l'est. Il y a une rumeur. Rumeur? Oui. On dit qu'il suffit d'aller là-bas pour guérir miraculeusement de la maladie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment peut-on croire de telles sornettes? À la science d'apporter une solution à un problème médical. N'allez pas croire ces balivernes. Vous risqueriez de le regretter. Je sais que vous faites votre possible pour trouver un remède, mais vous devez comprendre. Il y en a qui sont déjà très atteints. Ils vont bientôt mourir. Ils sont prêts à croire n'importe quoi. Ils ont rebaptisé la ville Nouvelle-Olympe. C'est ici que la maladie se guérit. Docteur, il n'y a rien à espérer de ce côté, n'est-ce pas? Je suis désolé, je ne peux vraiment pas ajouter foi à ces histoires. Comme tout le monde, j'ai entendu parler de miracles, mais je ne serai jamais convaincu. Prosternez-vous! 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 Hein? Qu'est-ce que c'est? Fanatique! Prosternez-vous! Devant Orenamus. Parle. Je dirais que quelqu'un appelle au rassemblement. Écoutez, qui attendait un miracle? Écoutez, qui souffrez? Orenamus appelle la mort. Mais de la chair et du sang. Écoutez sa demande et renaissez. Il demande 999 sacrifices pour rassasier la mort et vous sauver. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai un mauvais pressentiment. Je suis certainement pas un spécialiste en miracle, mais... Le radar signale que quelque chose approche. Zadia, je passe à l'attaque. Pourquoi Trak? Pourquoi si vite? L'armée ennemie est entièrement constituée de civils armés. C'est vrai. Tant de soldats sont morts de la maladie ou gravement touchés. Ça ne sera pas une bataille glorieuse. Et leurs anciens pensent la même chose. Ça les dérange d'entraîner des civils sur le champ de bataille. Moi, ça m'est égal. Je suis soldat. Je fais ce qu'il faut pour gagner. J'ai une dette envers les Laurentiens. À l'attaque! Écoutez-moi bien, ce sont des silos, pelés pour avoir des missiles. Ils laisseront toutes les unités présentes dans la zone d'impact. Chaque silo ne contient qu'un missile, ne laissez pas l'ennemi s'en emparer. Ok, donc là il y en a 1, 2, 3. Bah bonjour! Ah ouais, mais ils sont affaiblis. Bon, ils en ont là. D'accord, ça peut pas lancer un missile, ça. Il y a combien de... On peut pas voir combien il lui reste de missiles. Et il est peut-être à zéro. Ah, c'est écrit là. Il en reste un. Et lui, il peut lancer les missiles. On va plutôt faire ça. Oui, ils peuvent ou pas? Non, on est d'accord. J'aurais peut-être dû éviter de me regrouper comme un bobet. Je ne veux pas mourir, j'ai essayé de gagner mes batailles. J'ai toujours fait de mon mieux, et pourtant... Je n'aime que toi. Cool. C'est trop tard, les fleurs ont commencé à éclore. À l'intérieur de mon corps. Je porte le signe, c'est fini. Signe? Je l'ai vu. Quand le signe apparaît, sur la peau, c'est la fin. Elles se nourrissent de mon sang. Je ne veux pas mourir. Ah.
Bah oui, c'est évident. Un connard. Ah oui, mais attends, ils se regroupent à mort là. Je suis qu'une merde, je suis qu'une merde. Ah ouais, d'accord, il a occupé ça. 6%. Mais non, mais va pas là, putain, j'ai... Logiquement, tu vas ici. Fais pas le mongol, quoi. Oh, mongolo, quoi. J'aurais dû le laisser là en fait, je suis trop con. I am bête. Eux ils vont se régénérer donc autant les abîmer eux. Lui peut plus tirer. Prosternez-vous. Arrêtez, taisez-vous. Vous mentez, vous ne pouvez pas guérir des gens. Je ne peux pas les guérir. Qui va te croire? Personne. La raison pour laquelle ils s'accrochent à la vie, c'est pas ce qu'ils espèrent. Ils ne voudront pas croire celui qui vont leur dérober leur ce dernier espoir. Ils gobront tous mes messages, car c'est ce qui leur permet de vivre. Alors, vous savez. Et tout ce que vous leur faites croire est faux. Pourquoi dis-tu que je leur fais croire? Ils ont choisi de croire. Je leur offre un peu de joie. Ils survivent à travers mes paroles. Sans cette foi, ils ne pourraient pas supporter la réalité. Elle est si terrible qu'ils préfèrent vivre dans le rêve que j'ai créé. C'est ça, la nouvelle Olympe. Sans le grand Orenamus, la plupart d'entre eux seraient déjà morts. Ils n'auraient pas eu la force de survivre jusqu'ici. C'est immoral. Ce que vous faites qui est immoral. Vous voulez les forcer à avoir une réalité qu'ils ont choisi d'ignorer. Et pourquoi vous devez disparaître, enfant d'Orenamus, en avant. On peut vraiment attaquer ça, ça fait aucun dégât.
Je sens que je vais avoir du mal quand même. Parce que eux ils se réparent ces enfoirés. Et t'as pas plus de missiles, je comprenais. Attends, je comprends pas ton délire. Mais si j'ai plus de tank après c'est fini quoi. Il a zéro, il peut quand même mitrailler du coup. C'est pas... Missile, ça va être impossible en fait. Suicidons-nous. Je pense que j'ai pas eu la bonne approche. Ok, c'est foutu. Je les ai trop groupés, je pense, au début. Qui est où là?
Ah ouais, mais du coup il bloque le passage, fils de pute. Putain, je peux pas. Du moins que ça tue, au moins. Putain, mais ça fait aucun dégât, c'est vraiment de la chiasse. Des unités en mousse, quoi. Oh bah attends. Régène ici ou pas? Ouais, on va voir tout de suite. Il attaque à la petite mitraillette, quoi. Il peut quand même attaquer, du coup. Ok, ça répare, putain.
Voilà, il a plus d'essence, il peut plus avancer de 1. Pourquoi il explose pas du coup, saloperie? C'était sûr qu'il allait m'attaquer. Problème après, c'est des bazookas. Ça fait mal quand même. Oh, tant pis, allons-y, hein. Faut y aller, faut y aller, hein. Sacrifice. Ah, c'est pas ouf. Okay, lui qui capture, il s'en bat les couilles. Est-ce qu'on peut vraiment... Mmh.
Je doute qu'on lui fasse vraiment bobo, hein. Ça riposte ou pas? Ça riposte, ouais. Ça lui fait zéro dégâts, quoi. Bon, on va se mettre là quand même. Voilà, comme ça au moins il attaque eux. Ah c'est bon, ça va le faire. Ah non! Ceux qui restent n'ont pas la force ou la volonté de se battre. Et nous avons localisé le grand Orenamus. Celui qu'ils adoraient. Il existe. Suivez-moi, je vais vous montrer. Pas personne, Lynn. Si, là. Vous voyez pas, dans le coin? Hein? D'après ce que nous ont raconté les civils, il s'agit du grand Orenamus. Ils sont mis à croire aveuglément qu'ils étaient leur sauveur. Qu'il était leur sauveur. Il? Mais ça n'est qu'un simple cafard. Et ils étaient prêts à nous tuer en son nom? On a du mal à s'imaginer jusqu'où peut aller quelqu'un qui a perdu l'espoir. Allez, partons. Nous n'avons plus rien. Tout était faux. Vous étiez surtout des gros teubés. Rien ne peut nous sauver, nous sommes finis. Mais c'est mérité, je pense. Non, ne désespérez pas. C'est fini, vous comprenez? Tout est fini. J'ai le signe, j'en ai plus pour longtemps. Tenez bon, écoutez-moi tous, je suis médecin. Je vous soignerai. Je vous en prie, je peux y arriver. Vous êtes docteur? Ouais? Vous pouvez nous soigner? Vite, donnez-moi des médicaments. Je ne veux pas mourir. Je suis désolé. Le traitement, je ne l'ai pas encore trouvé. Vous êtes désolé? C'est tout ce que vous trouvez à dire? Je ne suis qu'un être humain. Je ne peux pas faire de miracle. Je ne vais pas vous faire croire que je peux vous guérir en claquant des doigts. Je ne peux rien vous promettre. En fait, mes chances de réussite sont faibles. Certains d'entre vous ne pourront pas survivre jusqu'à ce que j'ai trouvé. Mais il y a tout de même une promesse que je tiens à vous faire. Quoi qu'il arrive, je ne vous laisserai pas tomber. Je travaillerai sans relâche jusqu'à ce que je puisse vous soigner. Je vous en prie, faites-moi confiance. Serrez les dents, j'ai besoin d'un peu de temps, s'il vous plaît. Docteur. Dark. Ed. J'ai moi aussi le signe dont cet homme parlait. Nous savons tous deux ce que cela signifie. Ouais? Oui, sur ma hanche gauche, un losange est apparu. C'est le premier symptôme visible de la pistylose. Si l'on en croit les civils de la Nouvelle Olympe, aux premières fleurs, je mourrai. Ils ne le disent pas, mais je pense que d'autres malades en sont au même stade que moi. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps à vivre. On ne change pas nos plans. Nous allons tout faire pour trouver un remède atteint. J'aimerais vous demander quelque chose. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas peur? Pourquoi vous ne fuyez pas? Vous êtes notre chef, bien sûr, mais de là à avoir un tel sens du devoir, je comprendrais que vous vouliez partir. Mais je n'en ai pas l'intention, Lynn. Je ne reste pas parce que je me sens obligé de le faire. Je reste parce que je sais que je peux encore aider tout le monde. Si nous ne baissons pas les bras, nous pourrons nous en sortir. J'en suis convaincu. Et je ne laisserai tomber personne. Si on ne baisse pas les bras. C'était la phrase du lieutenant. Et maintenant, c'est aussi la vôtre. Très bien, j'ai compris. Je ne vous ennuierai plus avec mes questions. Puisque vous y croyez, moi aussi, j'y crois. Post. J'ai avancé dans mes recherches. Je suis en mesure de freiner les progrès de la maladie. Fantastique, docteur. Merci beaucoup. Hélas, je n'aurai pas les quantités nécessaires pour traiter tout le monde. Oh, tous les laboratoires de la région ont été pillés. Et il me manque certains ingrédients. Il faut trouver un endroit où se les procurer. Mais où chercher? C'est Gusmundo. Il est obsédé par sa sécurité, sa santé et sa gloire. S'il existe un laboratoire médical quelque part, c'est à son QG. Je suis prête à parier qu'il possède tout ce dont nous avons besoin. Colonel Singusmundo,
L'assassin du lieutenant Brian. Chef, calmez-vous. Désolé. Retrouvons ce cher colonel et finissons-en. Ne baisse pas les bras et tous tes espoirs deviendront réalité. D'accord. D'accord. Parfait. Flashback. Ed, qu'est-ce qui se passe? Ah, désolé. Je pensais à ce que le lieutenant m'avait dit un jour. Ne baisse pas les bras et tous tes espoirs deviendront réalité. J'ai survécu jusqu'ici en essayant de toujours suivre son conseil. Je me suis battu. Parce qu'il me l'a demandé. Ed, ne t'inquiète pas, je vais bien. Et je sais ce que j'ai à faire. Sigismundo et Finn, les deux hommes qui ont tué le lieutenant O'Brien, je vais le venger. Et je vais mettre un point final à la guerre. Alors, les éclaireurs les éclaireurs ont fait le rapport. L'ennemi est derrière nous. Quoi? Derrière nous? Oui, c'est l'armée de l'air. La section du lieutenant Finn. Finn. Apparemment, il est encore sous les ordres du colonel Sigismundo. Préparez-vous et en avant. Alors. Là, il y a R. Ok, il n'y a que des unités aériennes. Il peut que créer ça. Il peut que créer ça. Nous, on peut, pour le moment, faire R. Mais, on va capturer ça. Capturer ça. J'ai une DCA, mais qu'on va... Allez, on va se cacher dans les montagnes. Wouhou! Fidé dans la place. Et il va faire le show. Ah oui, c'est le fan de Johnny. Ah si, il peut créer l'unité terrestre. Je ne l'avais pas vu. Ah bah oui, il a deux usines. Pistop. Parti un peu tôt, un peu tard. Sachant que les unités aériennes ne peuvent pas. Celles-là, eux, peuvent pas m'attaquer en fait. Autant que je recule. On sait jamais si ça passe. Hein. Je sais pas pourquoi il s'approche aussi vite. Ça c'était sûr. Adieu. Eh mon petit pote. Enfin bye. Toujours dans les pattes quand il faut pas. Hein. C'est la dernière fois mec. Cette voix. Ouais, Finn lui-même en personne, je t'ai manqué, hein. Tu sais, je m'éclate à fond. Et toi, toujours à rechercher des moribonds? Tu veux pas qu'on se la joue cool? Ah mais au secours, le gars. Dis-moi les Zéphyriens et t'entends plus parler de moi. On a un deal? Je ne livrerai pas un seul Zéphyrien. Je ne sacrifierai pas un seul malade. Je vais rester solidaire et me battre. Rester solidaire, je ne crois pas. Ça sert à rien de ça sert à rien de palabrer. Tu vas pas changer d'avis, et puis moi non plus. Toujours pareil, mon pote. Tu me donnes envie de dégobiller, avec tes bons sentiments, tes airs supérieurs, tes slogans à la banque. Solidaire, hein? T'es content comme ça? T'as une bonne image de toi-même. Qu'est-ce que t'as de plus que moi, hein? J'ai pas l'air d'un cake, quoi. T'as dit quoi, là? Tous les deux, nous faisons ce que nous voulons. Et moi, ce que je veux, c'est aider les autres. Je cherche. Si je ne faisais rien, il n'y aurait plus de souffrance et de mort. Et pour moi, ce serait plus dur à supporter. Peut-être, est-ce que moi aussi, au fond, je le fais par égoïsme. Si j'arrive à sauver ne serait-ce qu'une personne, ça me suffit à être content de vivre. J'ai assez attendu de salade. Je vais rejoindre Brian. All bats.
Il serait bon de créer un truc là. C'est fort les hélicos quand même. Oh mais ça sert à quoi que tu viennes jusque là si tu veux pas pour Nini pour voilà. Sérieusement. Canon défensif. Pourquoi tu viens pas là, toi? Pourquoi tu l'attaques pas en fait? Bah, c'est con que ça riposte pas, c'est merde en fait. Ça.
Bah pourquoi j'ai pas créé un truc avec le général dedans? Avec c'est une blague. What? Mais ça fait si mal que ça, mais c'est une blague. C'est juste pour vous attirer là. Là, ça tue même pas, tu vois. Prendre toutes les villes qui sont ici. Ouah, mais il y a le canon défensif en même temps, quoi. Une blague. Oh là, oh là. Ah, j'avais pas pensé au canon défensif qui pouvait tirer de loin. Putain, il va se régénérer. Il a 21 000, il peut créer ce qu'il veut aussi.
cachet. Je vais pas faire d'avion parce que lui il va venir, il va vouloir me les baiser. On va faire ça comme ça il va reculer hein, il a pas le choix. Ah si je pourrais en faire là. GG, t'as battu un hélico de transport. Bien joué, grand. Bye. Ouais, je suis trop loin. Oh, mais c'est vraiment dingue. Là, j'ai oublié que ça ripostait. Et il est wouh! Il reste un missile là. Il va trop. Ça va durer des bombes. Bah oui, j'avais pas pensé à ça. C'est infernal. Quand tout le monde a trop de sous, c'est infernal en fait. Par là. Ah, j'ai plus d'écran, j'ai plus d'écran, j'ai plus d'écran. Un écran. Pourquoi ce suicide?
points aussi. Je peux pas faire d'unité sans qu'il m'attaque partout. Voilà, j'en ai marre de ma vie. Et à chaque fois que je déplace une DCA, lui il va... J'ai l'impression de pas avoir de sous. Je peux plus attaquer. Attaquer ou papa? Ah, il peut quand même, je comprends pas, c'est écrit 0. La merde. C'est pourquoi ça shoot toujours des mitraillettes, ce truc. Toi, tu sers à rien. On va... Là jusqu'à 16h ça va être comme ça. Et il peut tout attaquer. C'est incroyable. Moi, faut que je fasse un bombardier, quoi. Je peux que faire un bombardier, j'ai que 21 000. Lui, il va avoir je sais pas combien de sous. Il va capturer je sais pas combien de villes, là. Regarde ça, il a 1 de bombardier. Thank you.
Comment ça flippe quand même? Le sacrifice. Putain, j'avais pas pensé. Oh, j'ai pas pensé à ça non plus. Je suis vraiment un sale. Ça riposte, mais je suis vraiment une sale merde. Toi, tu vas te calmer. Ouais, là, tout de suite. Don't touch. Ah ouais, mais si tu foutais le camp un peu, peut-être, non? Pour attaquer, putain de ta race là. Ça bloque le chemin.
Putain, mais tu... 0% tu vas me dire. Mais non, mais c'est sérieux, il lui reste 1. Oh putain, je... Il m'attaque quand même celui-là, hein. Merde. Dégagez ce gros machin là. Bien sûr, il va m'attaquer, lui il va crever, lui il va, il va peut-être m'attaquer celui-là. Pourquoi j'ai fait ça? J'en peux plus! Je me fais chier!
le canon qui bloque, quoi. Ah, ça joue pas mal, quand même. Sérieux. Je voulais attaquer, pas attendre. Faut un bombardier. Je vois pas ce qu'il fait, j'ai plus d'écran. Ouais, merci. Au secours! C'est un qui se met, ouais. C'est un qui m'attaque, il meurt. Ok. Toi tu sers vraiment. Pourquoi t'as reculé espèce de. Putain mais c'est IA. Infernal. Ça veut pas crever. Hein.
Voilà, 4 pour un mob. Ah merde. On peut pas attaquer, tu vois. Comme de la daube. Hein. Ça finira jamais, hein. Là on va finir le stream sur cette mission, c'est soit je gagne soit je perds de toute façon. Ouais, on la finit pas. C'est une mission où c'est celui qui construit le. Oh, j'ai level up. Ça n'a aucun sens là. Mais j'ai plus rien. Sûr. Oh, c'est le gaspillage de fric à chaque fois, je sais pas quoi faire du coup.
Oh, j'ai envie de canner. Ouais, je peux pas mettre un général dans le machin. Ah, il fallait que je fasse rupture avant. Merde. Oh putain, vie. Il y en a trois. J'aurais dû recommencer depuis 20, depuis belle lurette quoi.
Bouge pas ta merde, toi. Ouais, Oudin. Ouais. Putain, j'ai pas pensé à ça. Ça attaque les... Ah, ok, d'accord.
compliqué. Compliqué, compliqué. Il me reste plus que 3, lui il en reste pour l'instant 1. On continue à faire ça, hein. J'ai l'impression que c'est un peu la strat. Il a 83 000, mais file-moi des sous toi, putain, tu peux pas me donner tes sous et je construis à gogo là. Putain. Oh putain! Faudrait que je blinde d'avion comme ça et après que je fasse un bombardier pour pouvoir le protéger quoi, c'est une de mes seules solutions. Ah oui mais là j'ai plus de. Du coup, je lui laisse faire un tour dans le vent et il va refaire un. Voilà, il va refaire un, ça, c'est sûr. Ouais, faut que j'en fasse un quoi qu'il arrive. Mais c'est des DCA qui vont me faire chier. Ça va être infernal jusqu'au bout.
Putain, il y en a deux aussi comme ça. Il en refait un à 20 000 piles. Comment il en a fait pour faire... Je comprends pas comment... Oh putain. Bah ouais, du coup, il y a son canon. Gna gna gna, et ça aussi. C'est impossible. Détruit mon méga tank là, voilà, tout ça pour rien. J'arrive pas, hein, j'arrive pas. Ah putain, et... Oh putain, on peut pas passer, tu vas me dire, mais c'est une blague. Je vole, je passe par-dessus. Ça, c'est le truc le plus débile, franchement, qui existe, ça. Regarde, c'est impossible. Là, je suis en train de jouer 1h30, 2h pour rien. J'ai envie de crever. Quoi, qu'est-ce que t'as ? Il y a 21 000 là. J'ai qu'à son tour en fait. C'était moi qui. Tout à l'heure j'étais en supériorité. Maintenant c'est son tour quoi, où j'en ai plus qu'un quoi. Et je peux rien faire, il en a un, deux. Là, je pourrais rien faire du coup. Oh, bah je vais abandonner, hein. J'ai pas le choix. Plus rien. Allez. 1h30 pour rien. On tente, hein. Ah, j'ai oublié de me remettre à la cam en plus. Ouais, ça tombe bien. Ah, j'ai envie de canner, putain.
capturé quoi. J'avais omis ce détail. Dis-moi que tu abats. Ah merde! Pardon. Bon. Ah ouais, c'est quand même difficile. Moi je me chie au début. Je peux vraiment rien faire en fait. Plus rien pour attaquer. J'ai juste ça, ça fait ça, ça va peut-être les trigger les faire les rester ici. Mais non, reste là-bas, sacrifie-toi, connard. Là, ça capture déjà une demi-vie. Je...
Oh, merci. Il faut que je me concentre plutôt sur l'aérien que sur remettre la cave. Ça dégage. J'ai pris une pile à moi. Moi tout. Merde, il manque pas beaucoup. Tant pis, je fais ça.
Merde, j'ai oublié la moto. Ah, je suis con. Putain, la moto. On va la laisser là, elle, au cas où. Et ces avions explosent là, mais ils me servent plus à rien du coup les miens maintenant. Il fait des décès à gogo maintenant. Que je choisisse les plus grosses unités. Hein. Sacrifier quand même. Oh putain, bordel de merde. I am un caca. Yes, win caca. Pourquoi? J'ai sacrifié un avion. Oui, je suis qu'une merde.
On est d'accord, là il peut pas venir. Je fasse quoi? Oh, je fais encore des avions. Allez, il me reste même pas 20 minutes là, pour finir. Il reste une, deux DCA. Moi je veux défoncer ça. Défoncer lui. Il reste quand même 1, 2, 3 aériens. Moi il me reste. Voilà, il faudra que j'en fasse un autre. Pourquoi tu t'en vas? Ah mais crève-le! Je veux pas le crever. Ça avance pas ces merdes. Les coûts de transport, ça fait réappro comme le machin, je pense pas.
j'en peux plus. Je suis vraiment pas bon. Tu l'as, je sais pas. Il y a que 3 DCA quand même. Zéro, tu vas pas dire que ça fait vraiment zéro là. Putain, mais c'est incroyable. Ah, j'ai plus de... Parfait. J'ai pas envie de le sacrifier en fait. Merde. C'est dommage que je peux pas lui piquer ses villes, il me sert plus à rien. Mais...
Oh putain, le canon. Ah, un personnage qui est à côté du... Ok, 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 je viens de comprendre. Hein? Ah mais non, ok, ok, c'est le... Putain... Je voulais pas faire ça, bon... Fallait le faire avant, gros con. Je voulais pas faire ça. J'ai oublié que Rupture, c'était mon pouvoir, quoi. J'ai rien pour éliminer les DCA en fait, c'est ça qui merde. Bon, ça avance pas. Ah, il a fait un truc comme ça. On va les laisser comme ça. Mais tout à l'heure, vous... Tout à l'heure, tu pouvais pas... Ah ouais.
Ouah, c'est 16h13. Putain, heureusement que je regarde l'heure, faut que je parte en fait. Ah putain, bon, j'ai sauvegardé, on prendra au prochain stream, hein. Ça a l'air d'être mieux parti, mais putain. J'essaie de finir mon cours. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, j'ai oublié que ça pouvait attaquer. Hein? Oh non, j'avais pas vu que c'était... J'avais pas vu ça. Bon, en fait c'était de la pure merde. On va quitter, tant pis. J'ai pas envie de reprendre. Bon, celle-là elle est un peu compliquée et un peu plus dure que les autres. On va essayer d'en faire qu'une. Ok, moi je vous fais des bisous. Je vais couper la VOD ici.